Salut à toi, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, on parle des skinny fat, on a parlé de la reprise pour la réouverture 9 juin des salles de sport, la prise de masse. Hier, on a parlé de la perte de poids, aujourd'hui, les skinny fat. C'est quoi un skinny fat? C'est quelqu'un qui est maigre, en général, mais qui a du bide, en tout cas qui a une brioche au niveau du ventre, du bas-ventre. Et donc, du coup, ça manque un petit peu d'esthétique. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut changer un petit peu d'esthétique, être plus athlétique, être plus foutu en V, et si t'es une fille, avoir au moins un ventre un peu plus plat, avec des fesses un peu plus bombées, bref, un petit peu le corps que tout le monde désire au début. En tout cas, si t'es débutant et que tu veux reprendre le 9 juin, si t'es skinny fat, suis bien cette vidéo, je vais te présenter 3 stratégies à faire, et tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, dans la prise de masse ou la perte de poids, je t'avais dit, on reprend tranquillement, on met pas l'organisme en frustration, en tout cas pas sévère, pas de régime strict. Pour le skinny fat, ça va être pareil, on va pas faire de régime strict, mais il y a 3 stratégies. La première, c'est faire comme quelqu'un qui veut reprendre de la prise de masse. Donc tu sais qu'en fait, un skinny fat, soit tu vas faire une grosse prise de masse parce qu'un skinny fat, il faut augmenter son métabolisme. Donc on va gagner du muscle. Là, on va se forcer à gagner du muscle. Donc on va prendre de la masse musculaire. Donc tu vas t'entraîner comme dans la vidéo 1, ce que je t'avais présenté. Tu vas reprendre tranquillement avec des circuits training ou du full body, avec un tout petit peu de cardio. Et tu vas manger un petit peu plus pour de la prise de masse. Tu vas faire de la force, de l'hypertrophie, et je te conseille, si t'es skinny fat, de reprendre, allez, 3, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois de prise de masse musculaire. Et d'ailleurs, j'ai le temps sur Case VIP, 6 mois, je le retire d'ailleurs le 9 juin, c'est pour toi. La deuxième stratégie, c'est de faire une alimentation constante, toujours assez protéinée pour garder un métabolisme haut et répondre aux besoins musculaires, mais tu vas à la fois faire du cardio et à la fois faire du muscle. Donc en fait, tu vas essayer d'avoir les deux en même temps, ça va être beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que le corps perd du poids et en même temps gagner du muscle, c'est difficilement faisable, en tout cas si tu vas aller très très vite dans la progression. Alors si tu es vraiment débutant, 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 là tu vas progresser au début, c'est normal. Quand on part de rien, on a vite des progrès. Mais tu vas avoir une alimentation légèrement hypocalorique, mais alors au début elle est constante et puis légèrement hypocalorique en augmentant les protéines. Tu vas t'entraîner comme quelqu'un qui veut gagner du muscle, full body, avec un tout petit peu de circuit training et de l'intensité surtout dans l'entraînement. Et bien évidemment, garder ces calories constantes pour gagner de la masse maigre petit à petit sans prendre trop de gras. Parce que le skinny fat, si tu adoptes cette deuxième stratégie qui est tout en un, c'est de faire les deux à la fois, pas gagner trop de gras non plus. Parce que tu en as déjà et t'as pas envie d'en avoir encore. La troisième stratégie, c'est celle notamment que je te présente dans le programme Skinny Fat to Fit. On va vraiment sécher au début, quoi. On va sécher au début, pourquoi pas. Comment on fait pour sécher au début? La vidéo sur la perte de poids, tu peux la suivre. Tu vois un petit peu les stratégies qu'on met en place. Donc, perte de poids rapide, pourquoi pas. Régime strict pendant une semaine ou deux semaines. Et puis après, une alimentation constante. Et tu t'entraînes cardio, HIIT, etc. Ensuite, dès que tu as fait ça, tu repars sur une prise de masse maigre, comme dans la stratégie numéro 2. Ok? Voilà, 3 stratégies à mettre en place. C'est voilà. Moi, la plus facile à mettre en place, c'est la deuxième, parce que tu fais tout en un. Voilà. Donc, c'est à toi de voir quelle stratégie tu veux mettre en place pour reprendre le 9 juin, la salle de sport. Pas d'obligation. Le tout, c'est que tu reprennes la musculation. 3 à 4 séances par semaine quand tu es skinny fat, c'est super, en incluant le cardio et les HIIT, c'est-à-dire l'intensité, l'intervalle training haute intensité. Voilà pour cette vidéo. Si vraiment t'as rien compris à ce que j'ai dit, ou alors t'as zappé, ou même t'as vraiment pas envie de faire par toi-même, le super programme Skinny Fat to Fit qui a fait ses preuves, beaucoup beaucoup de résultats de la part de mes élèves sur ce programme. D'ailleurs, le mérite revient aux élèves qui ont suivi ce programme, et pas à moi, tout simplement. Donc tu peux te jeter sur ce programme Skinny Fat to Fit, et puis si toi t'as juste envie d'utiliser la stratégie numéro 1 juste pour la prise de masse, t'as le programme Case VIP sur 6 mois que je retire le 9 juin, date de réouverture des salles de sport. Voilà, je fais un petit peu beaucoup de promos en ce moment de mes programmes parce qu'après je les retire. Je les retirerai et puis après t'en feras plus parler, donc c'est ma dernière chance de te les faire, comment dire, adopter, et c'est la dernière chance pour toi de te faire aider par ces programmes-là, donc jette-toi là-dessus si vraiment ça t'intéresse. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir parlé de la force, puisqu'il va falloir faire de la force quand tu veux perdre du poids, prendre de la masse ou ne plus être skinny fat. On va parler du régime 5x5 en force, régime
on va dire procédé d'entraînement plutôt, et ça va vraiment t'intéresser puisque c'est un procédé qui est un des plus efficaces pour gagner en force. Je te laisse là-dessus, kiffe la musculation et pense à ton corps, vire-moi ce skinny fatigue.